Pour un invité en ce jeudi, un invité qui compte double, si j'ose dire, car nous avons le plaisir, la joie, l'honneur de recevoir Ziz Dupanier. Et Ziz Dupanier, c'est vous, Thierry Wilson. Bonjour. Bonjour, Thierry. Alors, vous êtes aujourd'hui l'un des artistes qu'il faut absolument voir à la Comédie Comartin, parce que compte tenu de l'actualité, de la météo et de tout ce qui nous met le moral à terre, eh bien, vous êtes l'un des artistes qui doit aujourd'hui remonter le moral. Vous êtes un transformiste, un remarquable transformiste sur la scène de la Comédie Comartin. Dites-nous, qui est Ziz Dupanier ? Ah, Ziz Dupanier, je crois que déjà c'est la meilleure amie, c'est celle que tout le monde voudrait avoir comme meilleure amie, parce que c'est quelqu'un de drôle, quelqu'un de naïf, quelqu'un de sympathique et qui a envie de rendre la vie toujours plus belle, quoi. Et Ziz Dupanier, le panier, c'est un quartier très typique de Marseille, juste au-dessus du qui est très connu pour le feuilleton Plus belle la vie. Exactement. Et pourquoi Ziz ? Ziz, parce qu'à Marseille, on appelle une Ziz une femme un peu exubérante, qui parle fort, qui s'habille très colorée. C'est la femme du cacou. C'est la femme du cacou. Alors, Élie avait parlé du cacou, Élie cacou, et moi j'ai parlé de la Ziz. Alors, 1 h 15 de travail, de maquillage pour vous habiller, pour vous vêtir, pour vous transformer totalement. Ouais. Eh bien, Ziz, elle s'apprête à se rendre au mariage de son fils, Polo. Premier extrait. Oh mon Dieu, que tu viennes exprès du Maroc pour le mariage de mon fils, eh ben tu vois, ça me touche. Je me reconnais même pas, tu sais. J'ai tellement maigri, je suis l'homme de mon fils. Non, ma belle-fille, c'est terrible, mais le pire, c'est sa mère. Non, elle est juive comme nous, mais elle est de l'Est. La voilà, Ziz. Alors, quelqu'un me disait hier à la sortie du théâtre, quand je suis venu vous voir, on oublie que c'est un homme. Moi, je dis non. Je dis, c'est une femme. C'est différent. On a immédiatement la vision d'une femme devant nous. C'est assez exceptionnel comme performance. Vous le reconnaissez. C'est un très beau compliment, en tout cas, parce que le rôle le plus difficile à jouer pour un comédien, c'est un homme, c'est une femme. Michel Serrault m'avait dit ça un jour. Ah oui, c'est ça. Il m'avait dit que de tous les rôles qu'il avait eu à jouer, le plus dur avait été celui de Zaza Napoli, parce qu'il fallait être crédible tout en étant dans l'excès. Et un compliment de Serrault, c'est forcément un compliment. Ah, mais ça, je l'ai gardé, hein, je peux vous dire. Un génie. Le transformisme, ça vous a pris tout petit. Regardez cette photo de votre enfance où déjà vous aviez le goût du déguisement. Oui. Hein, le déguisement, ce n'est pas une grossièreté dans votre métier, non ? Non, non, du tout. On assume tout. Moi, j'avais la chance que ma mère soit un petit peu comme moi. Elle adorait ça. Le carnaval. Pourtant, on est des gens du Sud, hein, on n'est pas des gens du Nord où le carnaval est quelque chose de beaucoup plus développé. Chez nous, c'est assez... Mais ma mère adorait ça. Elle allait chez les meilleurs loueurs de Marseille. Elle me trouvait toujours des costumes extraordinaires. Et voilà, quoi. Donc, c'est peut-être venu de là. Ouais. Rapidement, un deuxième extrait, parce que Ziz a beaucoup d'autodérision. Regardez. Je peux le dire. Une femme de cet âge-là, saucissonnée, boudinée, trop maquillée, trop blonde, vulgaire. Voilà, elle est un petit peu vulgaire aussi. Oui, mais bien sûr. Pas grossière. Non, j'ai toujours essayé de pas aller dans la vulgarité, dans la grossièreté, dans des choses faciles. Mais par contre, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'elle, elle ne se rend pas compte de comme elle est. C'est ce qui fait rire les gens, parce qu'elle voit, elle devrait balayer devant sa porte, quoi, ça c'est sûr. Alors quand vous dites que ça fait rire les gens, j'en témoigne, hier à la Comédie Comartin, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup ri. Et c'est très bien écrit, et vous avez une marraine, si j'ose dire, c'est Muriel Robin qui vous a poussé à écrire. Ouais, Muriel, je lui avais, lorsque j'étais chez Michou, je l'imitais et j'avais eu la chance de la rencontrer et elle m'avait conseillé de le faire. Elle m'avait dit, si tu as le désir d'écrire, il ne faut pas t'en priver. Et quand je lui ai lu les premières idées, quoi, de Ziz, elle m'a dit, mais c'est formidable, il faut que tu le fasses. Ouais, c'est une très très belle réussite. Catherine Froh aussi est venue me voir, elle m'a fait des compliments. Et ça, alors vraiment, j'étais ébloui. Ouais. Merci Thierry Wilson. Bon, merci Ziz Dupanier à la Comédie Comartin, une grande tournée qui commence en mars prochain. Oui. Et cet été, vous irez de Djerba à Marseille, passant par Lille, Amiens. Toute la France va enfin connaître Ziz Dupanier. Merci infiniment. Merci à vous.